on essaie de leur expliquer de la façon dont nous on a compris et pas de la façon dont un enseignant leur expliquerait, qui est une démarche un peu plus théorique et parfois pas facile à comprendre. L'idée c'était de pouvoir comprendre toute une matière parce qu'en fait les trois ED de MPR regroupent l'ensemble de la matière. Et en travaillant différemment, pas uniquement sur nos bouquins, mais aussi en essayant de vraiment comprendre pour être capable de l'expliquer aux étudiants. Par rapport à ce qu'on a déjà dit sur la matière, on est beaucoup plus opérationnel, on a compris des choses qu'on n'aurait pas compris autrement. Mais il y a aussi le côté pédagogique qui est hyper intéressant, d'être capable d'expliquer à des étudiants, ça s'apprend pas comme ça. C'est de l'entraînement et pourquoi pas commencer maintenant. En plus, on était deux, donc on pouvait quand même se soutenir. On avait l'enseignant derrière, donc c'était bien aussi de pouvoir travailler avec un enseignant qui nous réexplique presque en cours particulier comment on réalise le dé et puis qui nous donne aussi ses conseils pédagogiques. C'était une vraie formation entre les enseignants et les étudiants. Je pense que je suis plus à l'aise maintenant peut-être pour parler devant du monde, enfin en tout cas pour expliquer un cours aux étudiants. C'est pas si facile qu'on le pense. Les deux enseignants qu'on a eus pour les deux premières années, ils sont bienveillants. S'ils voient que nous on a un blocage, ils viennent nous aider, ils prennent le relais de manière automatique et bienveillante, qui fait qu'on se sent pas rabaissé de ne pas savoir la réponse. J'ai pas trouvé que c'était si chronophage que ça, dans le sens où de toute façon le cours il faut le voir. Le temps qu'on passe à préparer le dé est finalement un temps qu'on passe à préparer l'enseignement. Je suis pas sûr que si j'avais dû apprendre que mon cours, j'aurais peut-être passé moins de temps, mais je le connaîtrais moins bien, ça je le sais. On serait prêt à faire ça dans une autre spécialité parce que du coup, ça nous a permis de comprendre toute une partie de la spécialité. Les étudiants ont les mêmes attentes que nous, globalement apprennent de la même manière les cours et du coup réussissent beaucoup mieux à nous expliquer les choses d'une manière atteignable. Moi, j'attendais vraiment un enseignement où j'allais ressortir en ayant compris mon cours et en ayant retenu beaucoup de choses. Les matières qui s'y prêtent le plus ne sont pas forcément celles qui sont les plus complexes, mais celles avec lesquelles on a le plus de mal à apprendre tout seul, en fait. Quand je me rends compte du travail qui a été fait par les étudiants, je trouve ça génial et je regrette presque de ne pas l'avoir fait. Et surtout, il y a beaucoup de matières où j'adorerais faire des ED, je pense, à l'année prochaine sur tout ce qui est anesthésie, réanimation. Je pense que ça peut être très intéressant de faire ces enseignements par les pairs dans des matières comme ça. Et c'est surtout quelque chose qu'on va devoir apprendre à faire parce qu'en fait, on est destiné à devenir médecin. Et un médecin donne des cours aux externes, donne des cours aux internes. Et à un moment, on a aucun moment dans notre formation en fait, où on nous apprend à donner des cours. Et je pense que c'est vraiment pas intuitif. Et qu'en apprenant tôt comme ça et en faisant des petites classes de temps en temps, ça peut vraiment nous aider à devenir des meilleurs enseignants en étant médecin plus tard. Et surtout, ça te permettra aussi d'expliquer à tes patients. Parce qu'on n'explique peut-être pas assez à nos patients ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et apprendre à vulgariser et apprendre à expliquer, c'est aussi important, je pense.